Et salut à tous les amis, c'est TK et on est reparti pour un deuxième petit tuto. Alors ça va pas être vraiment un tuto, c'est plus une astuce pour arriver à monter très vite votre niveau de cheval et votre entraînement par la même occasion. Alors ça marche aussi pour si vous voulez monter votre force, vous mettez trop de charge sur vous et donc vous allez utiliser ce qui s'appelle les loops. Alors pour faire des loops, vous allez sur votre carte, vous laissez appuyer sur Alt et vous désignez avec clic droit une destination. Alors la première destination, c'est mieux de pas appuyer sur Alt, voilà, normal. Après j'appuie sur Alt, je définis mon petit chemin que je veux faire en tournant là. J'aime bien ce chemin-là parce qu'il n'y a pas de bandits, il n'y a pas de problème, il n'y a pas trop d'ennemis. Et vous remettez à vos points d'origine et quand c'est vert clignotant comme ça, vous recliquez sur clic droit et voilà. Là, ça clignote plus, le loop est fini. Et vous appuyez sur T et il fera le loop indéfiniment. Et comme vous pouvez le voir, en dessous, là, au niveau de mon cheval, il y a marqué utiliser automatiquement des carottes lorsque l'endurance faiblit. Je coche cette petite case. Voilà. Et quand je gratte dans mon inventaire, j'ai 19 carottes. Ça suffira largement, sachant qu'il met environ. Il arrive à calculer si par rapport à votre niveau de cheval, il aura assez d'endurance. Parce que quand vous montez de niveau, votre endurance se remplit. S'il voit que votre endurance va s'épuiser avant que votre cheval passe de niveau, il va prendre automatiquement une carotte dans votre inventaire à vous, pas dans son inventaire à lui, l'inventaire du cheval. Donc il suffit de laisser vos carottes dans votre inventaire de votre personnage. Et voilà, vous pouvez les laisser tourner pendant des heures, pendant une nuit entière, autant de fois que vous voulez, du moment que vous avez des carottes, sinon il sera un peu lent. Et voilà comment on monte un niveau, votre cheval level 30, assez rapidement, et que vous puissiez aussi avoir un niveau d'apprentissage assez haut. Je vous invite à commenter, si vous avez des suggestions, eh ben, on est preneur, des idées de tuto dont vous avez besoin, des questions, n'importe quoi. Je vous invite à aimer la vidéo, à la partager, et je vous dis à bientôt. Salut!